eh ben, on peut parier que sur les autres fédérations, on les traite pas de la même manière. Et surtout la mienne, la manière dont j'ai été traité, la manière dont ils ont été reconnaissants envers mon travail et envers les gens qui m'entourent, elle me donne envie de vomir. Mais je m'attendais à rien d'eux parce que dès qu'on les voit, et dès qu'on voit leur manière de travailler, de toute manière, on sent tout de suite l'incompétence. La preuve, d'ailleurs, jusqu'à ce matin. Aujourd'hui, j'avais le 204 nage. Ce matin, c'était la seule épreuve. Parce que les autres épreuves, elles n'ont pas été neigées le matin, il n'y avait pas assez de participants. Il y a certaines personnes qui sont venues exprès pour perturber mon entourage et moi. Après, vous n'êtes pas au courant forcément, mais il y a eu des agressions ce matin. Il y a eu des témoins. Et ça, malheureusement, on le voit dans aucune autre fédération. Et c'est un truc qui me fait halluciner. Et après, on peut parler de professionnalisme, mais malheureusement, quand on bosse avec une fédération comme ça, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de haut niveau. Je sais que le président de la République, il attend de très gros résultats pour les Jeux Olympiques. Et j'encourage tous les athlètes. D'ailleurs, je suis tout cœur avec eux. Mais quand je vois comment ça se passe en natation, et les choses malheureusement ne changent pas, malgré que j'ai beaucoup d'écrits, j'ai énormément de preuves. Pour l'instant, hein, j'ai encore rien vu. Et c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe pour la natation algérienne. J'ai peur pour les nouvelles générations qui arrivent.